Alors bonjour Carlos, vous êtes en Argentine, vous êtes un ancien légionnaire, vous travaillez dans la sécurité et vous allez pouvoir nous parler de l'Argentine. Bonjour, quelle est la situation en Argentine actuellement là? C'est catastrophique? Nous sommes au bord de catastrophe. Nous sommes presque dans une situation catastrophique. Et maintenant, justement, je pense que Milei, il arrivait au bon moment pour justement interrompre cette séquence catastrophique qui projetait l'Argentine dans une hyperinflation. Parce que l'Argentine, il a suivi une série d'hyperinflation depuis des années 70. Mais bon, moi je pense que celui-là, c'était une des dernières hyperinflations et le pays, il n'allait pas s'élever, il n'allait pas se récupérer. Parce que simplement, les systèmes économiques, les systèmes industriels, les systèmes sociaux, il est complètement plongé dans un point de non-retour, en fait. Quand on parle de Venezuela, ben, l'Argentine, il est au port de Venezuela. Qui est le nouveau président de la République. Il arrive d'où? Oui, bon, Milei est un solitaire. Il vit dans un quartier privé dans la périphérie de Buenos Aires, à banlieue, avec sa sœur, Karina, qui l'appelle le chef de sa carrière politique, en fait, le président qui l'appelle sa sœur, le chef de la carrière politique. Son partenaire, son enfant, il a 12 ans, il a fait interruption complète sur les scènes politiques argentines. Et en accédant à un poste de député, hein, avec son propre parti, et 2 ans plus tard, sans ses structures politiques, elle se positionne comme le candidat présidentiel le plus voté dans les primaires avec 30% des votes. C'est un libéral anti-système qui a capitalisé la frustration d'environ 7 millions de électeurs et a choqué tous les partis traditionnels en relation aux élections d'octobre. Un provocateur surnommé Le Lion, ou autodéfini comme un lion avec sa crinière hein, complètement désordonnée. Milei, c'est un économiste, ce que je disais au début de l'émission. Je veux dire, il est expert en économie, c'est quelqu'un qui l'est formé en économie, 52 ans. Et qui appelle à mettre fin, enfin, en fait, à la caste politique parasitaire, voleuse et inutile. Textuel, hein, comme lui Alors, l'a parce que les médias occidentaux disent qu'il est extrême droite. Alors, bon. n'importe quoi. Enfin, Hein. il faut le diaboliser. Enfin, je veux dire, il faut pas Oui. qu'il faut pas que l'Europe ou la communauté européenne y voie à Milei de bons yeux, parce qu'en fait, c'est ce qui représente Milei, c'est la lutte contre une caste politique parasitaire, voleuse et inutile. Non. Alors, il faut l'encadrer dans l'extrême, parce que sinon, vous, Philippe, et tous les Européens vont commencer à croire dans la réalité, ou dans les propos de Milei, parce qu'ils vont faire une amalgame rapidement avec le parasitaire, le voleuse et l'inutile de la caste politique européenne. Parce qu'il y en a aussi des parasites, des voleurs et des inutiles en Europe, hein, nom de Dieu. Hein? Alors, évidemment, il faut le diaboliser, il faut le mettre dans voilà, hein, parce que sinon, ces 3 mots, une caste politique parasitaire, voleuse, inutile, c'est une phrase qu'il peut l'appliquer partout au monde. Parce que vous allez trouver partout au monde, dans tous les pays, ce type de politique. C'est pour ça qu'il faut le diaboliser. Oui, bien sûr. Et c'est un discours qui a capté la déception envers les partis qui ont gouverné les derniers 40 ans. Sans parler des débuts de siècle passé. Non, les derniers 40 ans. Rien que les derniers 40 ans. Le péronisme et les centres droite de Juntos por el Cambio. Je pense que nous sommes dans un changement d'époque. Les Argentins, on en a assez du modèle de la caste politique. Ils en ont marre. On en a marre. Il arrivait en tête dans les endroits où il n'y avait aucun soutien, même sans des contrôleurs électoraux, des scruteurs électoraux, sans absolument rien.
Il n'avait pas il avait personne présent durant les élections qui le représentait. Il arrivait en tête. Dans des bastions socialistes. C'est quand même énorme. Ouais. Milei a simplement fait mouche parce qu'il promet quelque chose de nouveau. Et quelque chose que nous pensons tous. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser, c'est ce que nous n'avons pas. Ben Et encore moins, en bénéfice de la casse politique. oui. Bien sûr. En 2000, il y avait 800 000 plans sociaux en Argentine. Oui. Aujourd'hui, il dépasse les 14 millions des assistés 14 sociaux. millions. Alors, C'est-à-dire la population est de combien? 44. Ah ouais. 14 millions de plans Un sociaux. tiers, de la population, mais c'est pour ça qu'on arrive à avoir 40% des pauvres, en fait. Oh là là là. C'est-à-dire qu'un tiers assisté socialement, 40% des pauvres, 50, aux alentours de 55% des enfants de moins de 8 ans sous le seuil de pauvreté, 10% des SDF. La colère monte en Argentine contre le nouveau président ultralibéral Javier Milei et sa politique d'austérité assumée. Mercredi, à Buenos Aires, des manifestations ont été réprimées par la police. Javier Milei a annoncé mercredi qu'il allait prendre un décret dérégulant massivement l'économie du pays, en modifiant notamment ou en abrogeant plus de 300 normes, dont celles sur les loyers et le droit du travail. Il y a des manifestations, évidemment, parce que c'est 4 millions des plans sociaux. Ah oui, mais Ah oui, oui, ça. c'est l'armée du socialisme. Eh oui, alors c'est que maintenant, Milei, il a dit, je ne veux pas toucher les plans sociaux. Évidemment, il ne va pas les toucher pour le moment. Parce que, d'abord, il faut générer stabilité économique, il faut générer confiance dans les marchés. Il faut générer de l'emploi légitime pour commencer à absorber ces 14 millions de plans. Mais ces 14 millions de plans, Milei, il n'a pas gagné dans la province de Buenos Aires. La province de Buenos Aires, la province de Buenos Aires, il est indépendant de la ville de Buenos Aires. Oui, Voilà, d'accord. c'est deux administrations différentes. Milei, il a D'accord. gagné dans la province et dans la Il ville, mais il n'a pas gagné dans n'a la pas province. gagné, oui, bien sûr. Et tout le kirchnerisme s'est retranché dans la province de Buenos Aires, où il y a les 14 millions de plans. Alors, évidemment, ils sont tous kifous pour générer une stabilité sociale. Voilà. Alors, manifestation, il y en a et il va en avoir. Ça, c'est sûr. Et il y en aura plus, oui. Et voilà. Et c'est clair, Philippe, ils vont essayer de provoquer la chute de Milei dans les 6 mois qui viennent. Ah bon? Bah oui. Parce que Milei, il arrive au milieu d'année, il y a les rentrées des dollars de la récolte des soya, et là, Oui. il va consolider son gouvernement. Alors là, les périodes les plus instables, c'est les premiers 6 mois de l'année. Ils vont être très, très instables en Argentine. Le président Milei, que va-t-il faire? Quel est son plan vraiment? Bon, le plan du gouvernement, dans ses propositions, il veut, avant tout, son passé de l'État. Laisser l'État en dehors, je veux dire, les rester participation, les rester protagonisme à l'État. Son programme promeut la dollarisation de l'économie, l'élimination de la Banque centrale, pas éliminer, il va éradiquer la Banque centrale, et des ministères de la Santé, de l'Éducation et des Travaux publics qu'il envisage de remplacer par des investissements privés. Aussi, il envisage de mettre en œuvre un plan d'ajustement beaucoup plus sévère, d'ajustement fiscal, on va dire, un plan fiscal d'ajustement beaucoup plus sévère que celui-là, que celui demandé par le Fonds monétaire international. Il promeut également la privatisation des entreprises publiques, la tarification, pardon, de la santé et de l'éducation, et la flexibilisation de la relation de travail entre employés et employeurs. D'accord. Il est ennemi complet de l'État paternaliste et des gouvernements populistes, évidemment.
Él se define como anarco-capitaliste. Sur d'autres questions, il est conservateur. Hein, il rejette l'avortement et l'éducation sexuelle à l'école. En fait, les seuls droits qu'il revendique seraient les droits à la vie, à la liberté et à la propriété. Les restes, pour lui, c'est des constructions idéologiques. C'est pour ça qu'il ne veut pas se mêler comme État. Et en décembre, le ministre de l'économie a dévalué la monnaie de 50%, hein, et annonce des réductions drastiques dans les dépenses publiques. Et les plans indiquent 10 directives majeures que le gouvernement du président Milei prendra pour faire face au déficit budgétaire. Premier temps, la dévaluation de la monnaie, comme on l'a abordé, de 50%. Le dollar, il a passé de 400 pesos à 800 pesos, c'est-à-dire ça a dévalué de 50%. La suspension des travaux publics. L'État national n'attribuera pas de nouveaux marchés publics. De plus, il n'y a plus d'argent pour payer Il n'y a plus les travaux d'argent, publics. plus rien. Mais surtout parce que, en fait, cet argent-là, il finit dans les poches des politiciens. Et Ou des corruption en entreprises. plus. Exactement. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'on appelle les cartels de la contratation en Colombie. C'est ce qu'on appelle aussi en Argentine. Il y a une des causes judiciaires de Cristina Fernández de Kirchner, où il y avait un cercle des industriels, où en Argentine, par exemple, quand vous gagnez une licitation, les gouvernements, ils vous avancent 10% des travaux, des contrats, pour que vous initiez les travaux, en fait, pour que vous pour une adéquation de quoi qu'il en soit, des installations, des équipements, des contratations de personnel, pour que vous vous préparez pour initier les travaux. Bon, ces 10%, c'était la commission du kirchnerisme. De la œuvre publique au niveau national. Alors, vous imaginez que ça représente. Enfin, c'est pas pour rien qu'on dit que le kirchnerisme, il a volé un PIB complet. La réduction de l'effectif de l'État, Milei a promis pendant la campagne qu'il licencierait, il va renvoyer des milliers d'employés qui sont considérés comme gnocchis. Gnocchi, ici, on l'appelle les gnocchis, ce qu'on appelle les gens qui sont, on va dire, soi-disant des salariés, mais ils ne vont jamais à travailler. Ah oui, d'accord. Ils sont des salariés en couvert, en fait. Ils sont dans la liste, mais ils vont jamais, ils vont, Ils ils ont se jamais font jamais, travaillé. ils vont jamais travailler. Alors, ici, on appelle les gnocchis. Ça aussi, c'était justement une manière de la casse politique de kirchnerisme de payer les faveurs politiques. Oui, c'est ça, de garder un certain électorat. Qu'elle les payait avec des emplois fictifs dans l'administration. Voilà, ça, voilà, Milei il a déjà commencé l'élimination de ces problèmes. Oui, enfin, Ensuite, c'est fou ça, c'est de la folie cette histoire. c'est incroyable, voilà, C'est incroyable, les délires. c'est littéralement incroyable. Je veux dire, c'est un C'est truc, incroyable et puis c'est une fraude. Enfin, c'est. c'est monumental, Ah c'est monumental, oui. c'est enfin. Mais c'est incroyable aussi que le peuple argentin il soit aussi passif et permette ça, en fait. Oui, c'est vrai. En fait, je veux dire, si tu regardes l'histoire en Amérique latine, chaque pays il a un karma. L'Argentine, c'est la passivité de sa société. Le Pérou, on ne comptera pas, c'est l'explosivité de sa société. Ils ont changé 6 présidents en 10 ans. La Colombie, c'est la corruption et le trafic de drogue. Le Mexique, c'est pareil. Enfin, chaque pays, il a son karma. Et je veux pas, je veux dire, je peux pas asseverer ce que je veux dire, je ne veux pas le démontrer, mais je veux dire, ils se sont occupés des sources externes, ils se sont occupés de que ces problèmes, ils soient de plus en plus grave pour les pays. Une autre mesure qu'il a pris le gouvernement, c'est la suspension de la publicité officielle. Le gouvernement ne fera
pas de publicité pendant un an dans la presse. C'est-à-dire que ça coûtait, je sais pas combien. Ah, ça coûtait aux alentours. Et ça coûtait aux alentours de 1 milliard de dollars en publicité. Imagine-toi, tu en as 40% des pauvres et tu dépenses 1 milliard de De dollars dollars en publicité. par an en publicité. C'est quand même. C'est l'appareil socialiste qui C'est fou. tournait au profit de le Parti socialiste. Ouais, c'est fou. C'est fou C'est furieux. incroyable. Et qu'il a annoncé aussi dans cette mesure, c'est arrêter complètement l'intermédiation. D'accord. Enlever complètement cette commissaire politique qui prenait au passage plus de 50%, c'est ce qu'il était, entre guillemets, supposé d'arriver aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il va avoir un rapport direct entre le gouvernement et la personne qui est vraiment nécessite, qui a vraiment la nécessité d'avoir un plan social. Alors, je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure en disant que les 6 premiers mois allaient être très difficiles pour Milei parce que C'est très difficile là, dans deux secteurs. il va y Oui. avoir de la résistance. Pour un côté, il va y avoir la résistance parce que la mafia socialiste, elle est incrustée à tous les niveaux. Hier, j'ai parlé avec un collègue, un autre collègue ici en France, et je lui disais, les plans sociaux, les plans sociaux représentent 2 milliards de dollars par an. Comment s'est organisé les plans sociaux, à grosso modo? Le gouvernement précédent, il y avait un ministère d'action sociale avec quelqu'un à la tête de ce ministère. Et à côté, il y avait quelqu'un à la tête des groupements sociaux bénéficiaires de ces plans sociaux. Un espèce de syndicaliste, mais pas syndicaliste, sinon pas de syndicat, sinon des groupements sociaux. Mais c'était la même personne. C'est énorme quand même. Alors lui, il prenait les fonds du gouvernement, il les administrait en Les même temps. mettait dans sa poche gauche et après dans sa poche Voilà, droite. exactement. Alors voilà, mais c'est aberrant, quoi. C'est fou, ouais. C'est C'est fou. aberrant. Alors, comme tu disais, ça va être très dur. Ces premiers semestres de l'année, pour trois facteurs. Premier temps, parce qu'il faut résister l'attaque de ces groupes sociaux qui sont cooptés par le kirchnérisme, évidemment. De notre côté, parce qu'il faut avoir des résultats vis-à-vis de l'inflation, hein, parce que c'est justement un des premiers facteurs que lui il a promis avoir des résultats rapidement. Et le troisième facteur, c'est que justement ces questions de l'inflation, il est directement lié avec les 56% des votants qui sont confiants en lui. Alors, c'est-à-dire que si lui n'arrive pas à descendre l'inflation, il va commencer à perdre le soutien Il va perdre des de votants. la, de la, de la, de la, alors, c'est-à-dire que ces 6 mois, c'est capital. Donc là, on est vraiment à la charnière. Là. Ça fait 2 mois, il reste 4 mois. Dans 4 mois, bon. Mais il y a quand même certains signaux de positifs. Par exemple, Jane Fraser, PDG mondial de Citibank, hein, la première femme à occuper un poste aussi élevé dans le système bancaire américain, prévoit de se rendre en Argentine durant le premier trimestre. Ça serait la première visite importante après la promesse de voyage dans le pays de la part de Elon Musk, hein, par exemple. Et Larry Fink, par exemple, le principal actionnaire de l'un des plus grands fonds d'inversion du monde. La réalité est que depuis décembre, ces jours, un grand nombre de cadres intermédiaires des fonds d'investissement se sont rendus dans le pays pour tenter de comprendre le gouvernement de Milei. Par exemple, la banque Santander et Deutsche seraient en train d'organiser des événements pour justement réunir des investisseurs pour les semaines qui viennent. D'une certaine manière, le gouvernement de Milei a le mérite d'avoir remis l'Argentine dans l'ordre du jour mondial. Ça, c'est quelque chose de similaire à Macri.
L'ardeur dérégulatrice et transformatrice des pressions Milei attire l'attention d'investisseurs, dont beaucoup avaient déjà archivé l'Argentine dans le fond des tiroirs depuis longtemps. Oui, d'accord. Ils avaient mis un trait dessus. Et C'est-à-dire. s'il y a quelque chose qui commence à bouger, les investisseurs vont arriver. Moi, je pense que Milei, il peut consolider son administration au milieu d'année, avec l'entrée, l'arrivée des dollars et des euros suite à la récolte d'hiver, que c'est la soja. Voilà. Si la récolte de la soja, il prospère tant qu'il est prévu, avec les pluies, avec la situation géographique et demain, il est fort possible que Milei il puisse consolider les mesures économiques les plus importantes immédiates, les mesures économiques immédiates pour faire descendre l'inflation et générer confiance au marché extérieur. Et les Évidemment, briques, alors, hein? Milei, il est aligné complètement avec l'Occident. Avec la Banque mondiale, alors, Ah oui, la Banque mondiale. oui, évidemment. Lui, il est complètement aligné avec Israël et les États-Unis. Alors, évidemment, il pouvait pas continuer avec ce projet de BRICS. C'est logique, je veux dire. Un pays qui est complètement au bord du gouffre, il a besoin de la confiance des marchés. Et il va pas générer la confiance des marchés avec les BRICS. Pour être dans les BRICS, il fallait avoir une économie solide. Alors Chose. justement, Carlos, est-ce que la Chine, l'Inde, etc., investissent chez vous? La Chine, il a investi beaucoup avec le kirchnérisme, mais la Chine, elle était presque. Il avait un projet sur la table avec le gouvernement Fernandez de créer un port en Ah oui? Patagonie. Ah, il faut qu'il fasse. Dans le cadre des routes de la soie. Ouais, exactement. Il faut qu'on fasse attention à ça. Voilà. Il a. Alors, oui, il investit, mais ça veut pas. Je veux dire, il faut voir. Sur quel type de projet, il faut voir les accords, il faut voir les Oui, bien sûr, retours, bien sûr, bien parce que sûr. c'est pas gratuit. La Mais Chine, c'est pas du tout gratuit. Personne n'y investit de manière gratuite. non, Alors évidemment. encore moins, voilà. Évidemment. Mais chacun se bat pour son pays. Ça me Exactement. paraît évident. Alors, d'Argentine, comment on voit le monde actuellement? Parce que il se passe quand même pas mal de choses dans ce brave monde. Écoute, Philippe, je crois que l'Argentine, il est tellement submergé par ses problèmes internes que les gens ils sont pris dans un tourbillon de soucis de manière journalière que ils sont même pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Vraiment. D'accord. Enfin, la pandémie, évidemment, c'est quelque chose de global. La guerre d'Ukraine, c'est très loin pour eux. La guerre d'Israël et Hamas, plus ou moins aussi. C'est un peu plus médiatisé aussi. Ah, Aussi, c'est un ça, peu plus médiatisé quand même. c'est un petit peu plus médiatisé. Mais tous les médias argentins, ils se sont retournés complètement vers les phénomènes Milei, en fait. Alors, D'accord. c'est beaucoup local. Tout, tout, Oui, les, tout ce que c'est. avec raison, d'ailleurs. Oui, évidemment, les gens, ils regardent Ils regardent à midi devant leurs ses portes. problèmes. Voilà, complètement. Mais D'accord. voilà. Pas trop intériorisé Oui, je avec la comprends situation bien. mondiale. Voilà. Est-ce que je peux te poser une question? Et toi, Oui. comment tu vois cette guerre en Ukraine, par exemple? Moi, comme je te disais tout à l'heure dans le reportage, je pense que moi, je ne veux pas voir moi, je veux pas voir les Russes en Amérique latine, en arrivée en Amérique latine. Pas du tout. Maintenant, je ne veux pas voir les Américains non plus arriver dans mon pays. Moi, je pense que le monde, il doit tourner autour d'un équilibre. C'est très difficile de gagner une guerre. Déjà, une guerre, c'est imprévisible. D'autant plus qu'on a dans les conflits
des pays détenteurs de l'arme nucléaire. Voilà. Négocier. Ma humble opinion, il faut arrêter tout et s'asseoir à négocier. Il faut arrêter, parce qu'en fait, quand une des deux parties va épuiser les armes conventionnelles ou les moyens conventionnels et qu'on n'a pas complètement la posture à négocier, ça va quoi être la prochaine Ben, décision qu'ils vont prendre? à ce moment-là, on monte. Ben voilà quoi, parce que là, voilà, je pense qu'on est dans les on est dans la dans 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 les dans les dans, dans la dans les La deadline. Il faut faire attention parce que oui, on est dans là. oui, on est dans cette deadline dont on se rend compte que les moyens conventionnels ça suffisait pas. Alors voilà, c'est quoi la décision? On va continuer jusqu'à l'épuisement complet de nos moyens humains, économiques, voilà quoi. Matériel Oui, aussi. je veux Matériel. dire, je sais pas si je pense qu'avec 2 ans de guerre, on se rend compte qu'on est Que les dans un. moyens matériels sont pas là. Exactement. Alors voilà. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Carlos. À très bientôt, alors.